Si j'ai souvent froid chez moi, que je limite au maximum le chauffage, est-ce que je suis en situation de précarité énergétique? Oui, il y a de fortes chances que vous soyez en précarité énergétique. Alors, il y a différentes façons d'être en précarité énergétique, mais si vous avez froid, déjà, c'est un indicateur important du fait qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir froid chez soi. Si vous limitez au maximum, c'est sans doute parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer les factures. Donc, là aussi, c'est un indice pour nous faire comprendre que vous avez un souci et que le souci, finalement, ce n'est pas vous qui l'avez, mais il y a de fortes chances que ce soit votre logement qui ait un problème. Et donc, oui, vous êtes en situation de précarité énergétique si vous n'arrivez pas à vous chauffer à un prix acceptable, qui est la définition qui est retenue dans la loi française pour la précarité énergétique.